Toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un mariage, le mariage de Dubuisson et de la fliquette de Cavala. Vous auriez pu nous appeler par nos prénoms. Tout à fait. Donc, Monsieur Lapoutre et Mademoiselle Hakimi, ainsi accompagnés de leur témoin, le première classe, monsieur. Présentez-vous à la communauté ici présente dans cette église. Première classe, Lucas Shepherd. Très bien, en compagnie du première classe, Lucas Shepherd, qui est le témoin du caporal Hakimi. Ensuite, monsieur Lapoutre, vous avez votre témoin, lequel c'est ? C'est monsieur Liang. Ah ! Ah bah j'en ai deux. Ah ouais, on a deux. Ouais, ils sont tous témoins, c'est la famille. C'est les frères. De Dieu, nous sommes réunis dans cette église pour célébrer, donc je le disais, un mariage peu commun entre un rebelle et un policier, ce qui célébrera peut-être une paix sur cette île enfin. Je commence bien, là, une paix un peu forcée, si je puis dire. Donc bien sûr, tous les partis sont consentants pour ce mariage. Nous allons donc passer à la remise des anneaux. Si les témoins pouvaient s'approcher de leur... Voilà, je vais faire pour vous, monsieur. Hein. Merci. Charles de Noël. Vous pouvez donner la bague à mademoiselle. Ah, merci, merci. Les mains dans le dos. Voilà, tout... Allez, voilà, passe-lui la bague au doigt. Je vais broder là sur le gilet, vous voyez. Comme ça, tout le monde ah peut oui, le voir. Monsieur, j'aurais aimé avoir une vraie bague. Une bague... mauvaise qualité et en plus remise par monsieur le prêtre. Ah, vous savez, votre futur mari n'a pas beaucoup de moyens, hein. Mais ça, il faut pas le dire. Ah, je Donc, comprends. Monsieur Lapoutre, je vous invite à exprimer vos voeux par rapport à votre futur marié. Allez-y. Ma chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu es prête à vivre avec moi jusqu'à ce que la mort nous sépare? Eh bien, comment dire... C'est que... Eh ben, monsieur... Ah, c'est que si vous refusez, la mort pourrait nous séparer très vite. Ah, très bien, j'accepte. Oui, monsieur... J'ai une petite crampe, excusez-moi. Monsieur, avec votre ami fort impressionnant d'herbe, je ne me souviens même plus de votre nom, mais je serais très heureuse d'être votre compagne. Ouais, c'est la poutre, mon prénom. Donc, un bel amour aujourd'hui. Oui, la toutre, oui. Monsieur la toutre. Caporal Hakimi, je vous laisse exprimer vos voeux envers le buisson la poutre. Allez-y, la parole. Monsieur Buisson Lapoutre, je serais très enchantée, enfin plutôt enchantée de devenir votre épouse. Et je suis très heureuse d'être parmi vous, votre famille aujourd'hui. Et je jure sincérité et fidélité à mon époux, monsieur le Buisson, c'est quoi déjà son nom, Lapoutre, voilà, Lapoutre. Ah, c'est beau. Tu vas me faire pleurer, ma chérie. Jurez-vous, fidèle à la Kémy ici présente, de la chérir et de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie à ses côtés. Je le jure. Donc par les liens du mariage, par les pouvoirs... Et elle, ça serait bien qu'elle soit fidèle aussi, non? Ah, elle vient de le dire, mon ami. Ouais, j'espère que tu le seras. Hein. C'est que des mots, ça. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'église qui se trouve quelque part sur Altis, je vous déclare à présent mari et femme. Félicitations! Ouais. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo!
Ah, on va te la marier. C'est ce moment, c'est que je suis un peu pudique et j'aime pas trop ce genre de... T'es là, Oula, tu t'emballes, chérie, on a du public. Hey, Lyon, t'es là, Lyon. Vous avez mis votre langue trop loin, monsieur. Bah écoutez, je débute, hein. J'ai pas l'habitude, je fais pas ça tous les jours non plus, hein. C'est pas un métier. Je comprends, oui. Tu m'entends, Liang? Nous voilà, mari et femme. Est-ce que le mariage t'a plu, ma chérie? Quel plaisir, écoutez. Je suis enchantée d'être votre femme. Je l'espère, je l'espère. Je vais bien m'occuper de toi, t'inquiète pas. En plus, tu m'as l'air malade. On va rester au chaud sous la couette pendant 2-3 jours. Je crois que je me suis remise là, c'est bon, je... Je pense qu'on peut... Bah, tout est parti. On peut tout de suite lui récupérer les vêtements. Vous pouvez quitter l'église à présent. Non, vous êtes mariés. Hé, Jackie. Par la main. Tu crois qu'elle va le déforester ce soir? Ah ouais, elle a une vraie tête. Garde à vous, messieurs. De coquine. Ça va être chaud cette histoire, je le sens. Il y a beaucoup à déforester. Aïe aïe aïe. Il nous racontera l'histoire un peu. Non, mais demain tu le verras déjà un peu plus vite, plus léger.